Bon, le thème, il est simple. Il est 22h et j'ai une heure. J'ai quitté le taf un peu tard. Je suis venu en marchant. Je rentre en marchant. Plus de bus, rien. Donc là, on va envoyer une séance rapide. Ce que j'ai envie de faire, c'est faire une séance en réponse à un commentaire d'un frère qui m'a dit il veut une séance épaule triceps. On va lui faire ça cool. On va commencer par 30 séries et élévation latérale tranquillement. Histoire de bien m'échauffer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'ai pris tous mes compléments alimentaires, j'ai pris ma L-carnitine. Je sais pas si c'est dans ce sac-là ou si je l'ai laissé dans mon sac dans les vestiaires. Ouais, j'ai laissé au vestiaire. J'ai pris ma L-carnitine. J'ai pas pris de pré-workout. J'ai un Energy Gel, tu vois. Je l'ai, mais je vais pas le prendre maintenant. Je vais le prendre dans 20 minutes. Et je suis bien. Je suis bien. J'ai pris un petit café avant de venir, histoire que ça agisse un peu comme un pré-workout, tu vois. Parce que prendre un pré-workout pour une heure d'entraînement à la salle, je trouve pas ça pertinent, sachant que je vais pas soulever des gros charges, pas me mettre en difficulté, je pense. Donc, on va faire ça bien, hein. Faire ça bien. Mon bulk day do biceps que j'ai fait le 13, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Vraiment incroyable. Dis-moi ce thème d'avance. Tu vois, je sais pas si tu l'as vu, mais dis-moi si t'aimes l'ambiance, les couleurs. J'essaie de changer plein de choses, donner une ambiance un peu sombre, un peu dark. Essaie de faire attention. Mais moi, je le kiffe. Je le kiffe vraiment. Allez, deuxième série, 30 reps, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Juste deux suffisants. C'est pour bien m'échauffer. Sachant que je suis venu en marchant, j'ai marché assez vite pour venir, pour qu'il me reste du temps pour m'entraîner. Donc là, je suis chaud. Premier exercice qui change pas, on va faire des élévations latérales en unilatérale. C'est-à-dire que je vais prendre un poids, peut-être, je vois ce qu'il y a là-bas, peut-être un 10 kg ou un 12 kg. Je fais 10 séries d'un côté, 10 séries, enfin 10 reps, pardon. 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre et 10 reps avec les deux bras. On va faire ça tranquillement. Et puis voilà, toujours charge plus lourde pour la partie unilatérale. Et charge plus légère pour les deux avec les épaules. Sachant que pour les deux, je vais faire 10 élévations latérales en prise pronation et 10 en prise supination, histoire d'être bien, d'avoir un beau ressenti pour les épaules. J'aime bien faire ça en ce moment. D'ailleurs, désolé, hein, je suis vif, je parle vite et tout. C'est parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. J'ai une heure, tu vois, une heure, c'est enfin 1h10. C'est très rapide pour une séance, c'est très très rapide. Donc, je vais essayer d'être focus, quand même te donner des informations, te dire des choses, tu vois, parce que c'est important. Mais je suis vif aujourd'hui. Là, j'ai ramené un halter de 10, tranquillement, un petit poids de 10 et deux poids de 6. Et on va faire ça bien, on va faire 3 séries. Normalement, si je fais ça bien, sans négliger mon focus, j'aurai un bon pump, j'aurai des bonnes épaules, une bonne congestion. Il faut juste être très focus et se faire mal. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10. Ok. De l'autre côté. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. Ok. Les deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Supination. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, allez, huit, neuf, dix. Waouh, ça me fait du bien, ça fait mal. Mais je vais prendre les 2 kilos de plus, je prends 8 kilos. Histoire que ça me fasse bien, bien mal, tu vois. Parce que là, ça me fait mal, mais ça me fait pas bien, bien mal. Et comme je suis rentré dans un mood où faut que je fasse ça bien, il faut que je me fasse mal, donc je vais me faire mal. Ah, comme je parle vite, je bégaye, c'est sûr. Hein. Sachant que moi, je bégaye de naissance. Hein. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, mais de naissance, je bégaye. Et j'ai réussi à corriger ça avec plusieurs choses. Les vidéos YouTube aussi. Mais de base, je bégaye. Donc là, c'est sûr, je vais bégayer. Sûr. Allez, on va prendre 8 kilos. On y va. Là, j'ai augmenté pour les deux. J'ai pris 12,5 au lieu de 10 pour une latérale et 8 au lieu de 6 pour les deux séries qu'on va faire. Histoire d'être bien. Toi, si tu refais la même séance, tu peux le faire. Ou sinon, tu peux garder une seule charge. Tout dépend de toi. On y va. Une. 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, ok. L'autre côté. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, parfait. Ah, les deux. On fait ça bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10. Je sens que c'est dur. Supination. 1, 2, 3, 4, 5, comment? 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Faut qu'on continue à se faire mal. C'est important. Moi, tu vois, je fais le mouvement assis, mais je peux le faire debout. Surtout quand tu travailles les deux en même temps. Il y en a, ils sont plus à l'aise debout. Moi, je préfère être assis. Et aussi, c'est plus esthétique à la caméra. Mais je préfère, niveau confort, je préfère être assis pour bien faire ma série. Que ce soit pour la prise, pronation ou supination, je préfère. Je sais que niveau congestion, parfois quand tu es en débardeur, eh ben, c'est mieux de le faire debout quand tu te vois au miroir. Mais moi, j'ai une préférence dans le mouvement assis, vraiment. Je me suis monté avec le poids, mais je vais rester comme ça. Je vais rester avec 8 et 12,5 pour être bien. Parce qu'après, j'ai envie de faire des trucs qui m'arrachent quand même. J'ai envie de faire des trucs qui me font mal. Et aussi, si tu sais trop produire cette séance-là, eh ben, j'ai envie de te mettre des trucs qui te font mal, tu vois, parce que sinon, on va rigoler et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment se détruire les épaules et les triceps convenablement. Par contre, il y a un truc qui m'embête un peu, c'est que là, on est mardi. Ouais, on est mardi. La salle. Non, on est mercredi. Il y a du monde, tu vois, il y a du monde. Il est 22 heures passées, il y a du monde à la salle. C'est compliqué, mais normalement, je vais pouvoir te faire les triceps de la bonne façon. Et on va se faire mal, hein. On va se faire mal. Parce que là, il n'y a pas le choix. Faut se faire mal, faut avancer. Bon, dernière. Allez. Fais ça bien. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Les deux. Pas de fatigue.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là, suffit. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là, tu vois, là, je sens une petite congestion cool, congestion sympa, mais elle n'est pas assez lourde pour que je puisse retirer mon haut. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bien, on se comporte bien, on réagit bien à l'entraînement, au warm-up qu'on a fait. On peut passer à la suite. Là, on a vraiment travaillé la partie latérale des épaules. On va rester dessus parce que c'est vraiment la partie des épaules qui fait que tu as des grosses épaules. La partie qui se voit le plus, c'est là où tu vois que tu es large, c'est là où tu vois que tu traverses plus les murs, c'est là où tu vois que quand tu mets des hauts, et ben tu déchires tes hauts. C'est le plus important, ok? Donc on va rester dessus avec un enchaînement cool. On va sortir du développé Arnold en unilatéral avec du développé militaire standard, ok? J'aime pas le développé couché Arnold avec les deux bras en même temps, je préfère le faire en unilatéral. C'est plus optimal pour moi, clairement. On va se faire 10-10. J'ai pris les 15 kilos pour l'Arnold unilatéral. Et les 12,5 kg pour le développé militaire standard. Ok? On va faire ça bien. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, ça fait mal, incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, allez, 8, 9. 10. Wow. Wow. Wow, ça va me tuer ça. Le militaire standard. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Wow. C'est une dinguerie, je sens que je vais aimer cette séance. Je sens vraiment que je vais aimer cette séance. Là, franchement, je suis bien, hein. Je suis bien. Ça fait super mal. Et en plus, on n'a pas mis super lourd. Pour les exos qu'on fait, on a mis lourd. Arnold, 15 kilos, pour moi, c'est lourd. Ça me fait mal. Développé militaire à côté, c'est un peu plus léger, c'est 12,5, mais avec ce qu'on a fait avant, je me dis que c'était lourd pour moi. Et c'est très très bien, c'est un très très bon bicep et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour détruire nos épaules. On n'a pas le choix. Je préfère faire ça que faire un développé militaire assis où je mets super lourd pour rien et je me fais mal, je me bousille. Et je préfère ça. Au moins je bosse intelligemment, bicep et mes épaules elles réagissent bien, ça fait une bonne congestion et j'ai l'impression que ça casse plus de fibres. Ça c'est bien. Allez. Je me sens déjà congestionné. Mais c'est pas grave. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comment ? 7, 8, 9, 10. Oh. Ok. Comment ? 1, 2, 3, comment, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh, ah, ok, allez. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Non. Je devais aller au foot américain demain. Je pense pas que je vais aller. Hein. Je pense que je vais venir te faire une séance, encore une immersion. Honnêtement, je prends plus de plaisir à venir à la salle et me faire vraiment mal qu'aller dans des entraînements où je me fais pas mal, où les gens ils ont pas envie de se faire mal. Et ça m'intéresse pas. J'ai envie de me faire mal, vraiment. Oh, encore une série. Et après, on passe à un exercice suivant. Je suis bien. Franchement, on se rend pas compte, mais la capacité à s'entraîner en se faisant mal, sans musique, sans rien, c'est une dinguerie. Hein. C'est pas facile. Moi, il y a la musique de la salle, ils mettent de la bonne musique, mais quand je te parle et je fais une vidéo, c'est comme si que la musique, j'entendais pas. Tu vois, la musique, je vais l'entendre quand je vais faire le montage. Je me dis, ah ouais, c'était bien. Mais là, je suis trop focus, trop dans mon truc. Et c'est dur, mais ça fait du bien. Se faire mal sans musique, sans casque, surtout le casque, toi, le casque ou les écouteurs, ça t'isole, ça te met dans un monde, dans un mood qui est excellent. Mais quand tu sors de ce mood-là et tu arrives à t'entraîner dur, c'est une dinguerie. Et quand tu mets ton casque en sachant t'entraîner dans des univers sans casque, oh, c'est une dinguerie comment t'es fort. C'est une dinguerie. Un jour, je ferai une séance immersion avec mon casque et de la musique. Je parlerai pas. Je parlerai juste quand je vais faire des pauses. Mais tu vas voir comment ça n'a rien à voir. Tu vois comment ça n'a rien à voir. On y va. Dernière. Fais ça bien. Hey. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Comment? Six. Sept. C'est rien. Huit. C'est rien. Neuf. Last one. 10. Ok, très bien. On valide. 1. 2. Ok. 3. Ouais. 4. Ok. 5. Ouais. 6. Allez. 7. 8. 9. Allez. 10. Le plus important, c'est de valider. Tout le reste, je m'en tape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ok. Oh. Ah, je me sens bien. Je sens que niveau épaule, congestion, je suis là. Je suis là. Oh. Je vais me poser, retirer le haut, prendre de l'énergie gel et coacher ma séance tranquillement. Ok, là on a sorti le débardeur tranquillement. Je vais prendre énergie gel. Attends, je vais le mettre à l'endroit. Énergie gel, meilleur complément chez MyProtein. Mon meilleur complément pour ces bulk days. De rien, j'en ai presque plus. Faut que le mois prochain, j'en prenne encore. Ça m'accompagne dans mes séances. Et je kiffe. Je kiffe. Et mille codes d'âme, c'est important. Pour tous les compléments chez MyProtein, que tu prends le code d'âme. MyProtein, toujours avec eux. Ça fait longtemps que je suis avec eux. Je compte rester avec eux. Et franchement, je kiffe. Ça me fait du bien. Bon. Là, j'ai pris les 15 kilos. On va mettre un peu de lourd, on va faire des élévations frontales unilatérales tranquillement et je vais envoyer 10 répétitions. 10 répétitions. Oh, lourd. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Comment? 7. 8. 9. 10.
Ok, parfait. Oh. Oh. En fait, si, il y en a qui jouent avec ma patience. Ils veulent que je les frappe. Ils voient la caméra, ils me regardent, passent devant. Après, ils s'assoient, ils me regardent au loin. Je suis mort, mais moi, c'est pas grave. En vrai, les gens passent devant la cam s'ils veulent passer devant la cam. Le plus important, c'est que ma séance, elle est validée. Tout le reste, je m'en fous. On se repose un peu et on renvoie. Là, tu vois, là, les épaules, elles sont incroyables. C'est là, tu vois, que mes épaules sont vraiment un point fort. Je les fais pas beaucoup. Parce que je sais que c'est un point fort, tu vois. Un peu comme les biceps. Mais quand je les bosse bien, tu sens que on les voit bien et c'est satisfaisant. Vraiment. On va continuer. Allez, deuxième. On y va. Comment ? Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Ouais. Six. Comment ? Sept. Ouais. Huit. 9. Ok. Wow. Wow. Il me reste 30 minutes. Ça bien. On va valider. On va prendre un temps de repos de moins d'une minute et on va repartir. Juste tant que je change d'angle de caméra, ça va être mon temps de repos. Et je repars direct. Allez, c'est parti. J'ai un temps de repos rapide. Et... Allez. Une. Ouais. Deux. Ouais. Trois. Allez. 4, c'est rien. 5, ouais. 6, c'est rien. 7, allez. 8, allez. 9, ouais. 10. Oh. Ouais. Je suis bien. On va faire un dernier exo épaule. On va cibler l'arrêt des épaules et après on va se concentrer sur les triceps tranquillement. J'espère que j'aurai une poulie de libre. Comme ça, je suis tout dessus et je suis bien. Je suis très très bien. Oh. Bon, je suis parti chercher des 8 kilos. Là, on va se faire un biceps. Dos arrière épaule, ok. Pourquoi j'ai dos? Parce qu'on va sortir du oiseau halter en prise neutre et du oiseau halter en prise pronation. La prise neutre, ça va travailler un peu le dos et l'arrière des épaules, et la prise pronation, ça va focus que l'arrière des épaules. Moi, je vais faire les deux pour être tranquille, mais aussi pour rappeler à mon corps que c'est l'arrière des épaules que j'ai envie de bosser et j'ai envie de focus l'arrière des épaules. Donc, la première, elle va être tranquille, mais la deuxième, je pense que j'en tirerai que l'arrière des épaules. On va se faire un 10-10 tranquillement. Donc, 12,5 kg pour oiseau halter neutre et 8 kg pour oiseau halter en prise pronation. On va se faire ça bien, sans temps de repos. On y va. Je suis soufflé quand je parle, mais c'est comme ça. Pas le choix. On y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai pas de souplesse pour l'oiseau halter. Je sais qu'il y en a, ils baissent vraiment leur dos comme ça. Moi, je peux pas faire ça. C'est mort. Je suis trop dur. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Parfait. Pour l'oiseau halter, en prise pronation. Pour ceux qui me suivent, c'est vraiment ce mouvement-là.
et pas tu prends ça et tu fais ça, ok? Non, c'est vraiment ce mouvement-là, tu ramènes en arrière. Très important. Oh. Je souffle un peu, je change d'angle de caméra et je repars. Tranquillement. On y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Prends un souffle. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Oh. J'ai mal. J'ai mal. Jusqu'à quand je fais ma série, mes bras sont plus tendus, tu vois. Ils creusent un peu. Parce que ça fait mal. Vraiment, c'est vraiment le mécanisme de défense du corps qui fait qu'on va actionner un peu le dos pour t'aider à soulever. Mais il faut vraiment que je me force à rester bien droit et envoyer derrière. Il faut que mentalement, je me focus à faire ça. Oh. On souffle un peu 30 secondes, on déplace la caméra et on repart. Direct. On valide. On valide. On valide. On valide. On valide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Pronation. Direct. 1, bien droit. 2, 3, 4, c'est lourd, mais droit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. À partir de 7, je le sens. À partir de 7, je plie mes bras. Automatisme. Même quand je reste droit, je les plie quand même. C'est un délire. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh. Là, tu vois, on a bien focus à la partie latérale des épaules. On a bien focus l'avant des épaules avec un exercice lourd, l'élévation frontale. Là, on a focus l'arrière des épaules avec un bon biceps à la fin. Maintenant, je peux rigoler avec les triceps. Alors, les poulets sont prises. Je le savais, tout le monde se jette dessus à la fin. Normalement, il y a un truc à dips ici. Je vais voir si je le trouve. Si je le trouve, je vais en faire. Sinon, je vais virer quelqu'un sur le poulet et on va faire des triceps à la poulie. Je vais voir ça. Dips, alors, dips. Très bon exemple pour les triceps. On va essayer de faire 3 fois 20 reps, comme je suis à l'aise. Sans blocage, sans rien. On va essayer de bien descendre par contre. Par contre, ça fait un temps que je n'en ai pas fait. Mais 20 reps, je descends bien quand même. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, parfait. Tu vois, niveau dips, il y a deux sortes. Il y a celle que j'ai faite tout droit. Mais c'est plus les triceps qui vont bosser. Et tu as celle où tu te penches un peu plus vers l'avant. Et là, c'est plus tes pecs qui vont bosser. Ok? Donc, triceps, tu restes droit. Pec, tu te penches un peu vers l'avant. Par contre, les dips pec, j'ai l'impression que ça marche bien quand je fais une séance pec avant, quand j'ai bien sollicité mes pecs avant et je fais des dips pec. Les dips pour les pecs où tu te penches en avant, si tu les fais en début de séance, je pense que, enfin, moi je pense que je sentirai rien. Je sentirai rien et c'est pas bon. Faut juste le faire quand tes pecs sont déjà bien sollicités, tu vois. Ils ont déjà bossé, ils ont déjà eu à manger. Là, tu peux le faire. Je me pose bien et je repars parce que là, les dips, ça fait que j'en ai pas fait, c'est du poids de corps. S'amuse. Hein? S'amuse, mais d'un côté, j'ai pas trop le temps. Donc, vas-y, on va essayer d'assumer 20 reps. On va essayer. Comment ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow. Ah, j'ai mal.
Ah, j'ai mal. On va continuer. Par contre, et vos bras, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Les triceps, c'est petit rappel. Hein. C'est ça qui fait que t'as un gros bras. C'est les triceps. C'est pas les biceps, mais les triceps. Ça occupe une plus grosse partie de tes bras. Et les épaules, c'est bien aussi. Parce que regarde, quand tu vois la partie épaule, biceps, triceps, ça va ensemble. Ça va avec le bras. Donc il faut bien les bosser, ces deux-là. C'est important. J'ai pas assez récupéré. Mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon. Validé. Ok. On va à la poulie. C'est parti. Bon. Triceps à la poulie. Je pense que si je fais mon sport enchaînement, je vais en baver. Donc je prends cette barre-là, elle était déjà là. C'est une barre en V. Je vais baisser un peu la charge. 15 kilos. Hop, je reste bien droit. Et série de 30, tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, parfait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est chercher la douleur, chercher la brûlure, chercher aussi la congestion pour être vraiment bien et vraiment les réveiller, tu vois. On les a réveillés un peu avec les gyps, mais là, avec ça, on les réveille encore plus. Donc, c'est important. Là, j'ai mis 15 kilos. On va faire pareil avec 20 kilos cette fois-ci pour vraiment se faire mal. Oh. Il reste 14 minutes. On va se faire mal de la meilleure des façons. Honnêtement, pour avoir une séance triceps après optimale, j'aurais bien aimé mettre de la barre au front. Mais malheureusement, par manque de temps, je pourrais pas. Barre au front, 3 fois 10 répétitions. Mais malheureusement, je peux pas. Donc, on est obligé de se finir avec ça. Allez. 30 reps encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah, ça brûle, mais c'est ça qu'il faut. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ouais. Franchement, on est pas mal, on est bien. 20, 25 pour la dernière. Franchement, je sais pas si j'aurais ça à faire. Je sais pas, mais faut qu'on valide 30 reps, au moins. Les triceps, faut les donner à manger comme ça. Série longue, poulie. Et bien, tu leur donnes à manger. Après, faut savoir comment procéder. Faut vraiment le faire intelligemment. Faut vraiment connaître son corps. Et puis ça se passe bien. Par contre, là, je vois mon retour et là en bas, je vois que j'ai un bras de zombie. C'est incroyable. Allez, on y va. Fais ça bien. Fais ça bien, 25 kilos, c'est lourd, t'as 30 reps, tu vas les valider. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça brûle. 11, 12, 13, 14, 15. 16,
17, 18, 19, 20. Oh, on manque 10. Oh, on manque 10. Allez. 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 Ouais. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh. 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 Voilà, je suis bien. Là, je suis vraiment bien. Oh. Il me reste 10 minutes. 10 minutes. Qu'est-ce que je pourrais ajouter en plus? 10 minutes. Je vais rajouter un truc pour valider la séance. Parce que c'est important. Enfin, la barre au fond un peu. Je vais en faire. Je vais faire 20 répétitions. Bon, il y a 10 de chaque, 30 kilos en tout. J'essaie de faire 20 reps. Si j'y arrive pas, je m'arrêterai avant 20 reps. On va essayer de faire 20 reps. On est... Allez. Normalement, je serais bien cadré. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça fait dur de faire pareil. Huit, neuf, dix, onze, douze. Ok. 12. 12 c'est le maximum. 12 c'est vraiment le maximum que je peux faire. Mais c'est bien. On se repose un peu. Et on va repartir. Par contre là, c'est un exercice à charge assez lourde. Mes triceps, ils ont déjà été sous le feu avec la poulie. Donc là je peux pas prendre 30 secondes et repartir. Je suis obligé de me prendre au moins une minute pour bien laisser poser mon corps et bien repartir. Mais normalement, on pourra se faire 2, 3 séries. 3 séries de 10 ou 3 séries de 12. D'habitude, je prends la barre Z parce que la barre Z, j'ai une meilleure prise. Mais là, bizarrement, la barre droite, j'aime bien. J'ai pas mal au poignet, j'ai pas mal au coude. Donc, on va continuer comme ça. Hein. On va continuer avec. Là, c'est moins d'une minute. Mais je sens que j'ai déjà récupéré. Juste que je frotte un peu mes bras. Histoire de décongestionner ou de reposer un peu mes triceps. Et après, c'est bon, je peux repartir. Allez. 12 reps. 10, 12 reps. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Allez, 9, 10, 11, 12. Oh. Ah. Je me recule, mais ça on verra bien. Mais... Oh. Je suis mort, c'est incroyable. Allez, je coupe. Je change d'angle et je repars. Allez, c'est parti. Last, on est bon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Allez. 7. Ça me faisait mal au poignet là. Du coup je me suis arrêté à 8. Malheureusement. Là mes poignets ils ont dit stop. En tout cas, séance finie. J'espère que t'as pu kiffer. Si c'est le cas, mets un petit j'aime. Mets un commentaire. Cherche mon nous, c'est un où. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi je te dis à la prochaine pour un nouveau bulk day.